Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour la matinale actualité. Au niveau du marché, le Bitcoin 37 500, l'Ether dépasse légèrement les 2000 dollars. Au programme aujourd'hui, Grayscale et XRP, donc une actualité intéressante sur le fait que XRP pourrait être une alternative au virement bancaire Swift. On va parler de Lacoste et de Sandbox, le partenariat. On va parler donc de FTX également, avec le token qui prend 255%. Est-ce que ça va continuer? Qu'est-ce qui se passe finalement sur FTX et le token FTX? Et ensuite, on terminera par VeChain qui indique donc 160 000 nouvelles adresses ces 20 derniers jours. Est-ce que ça veut dire que VeChain va performer ces prochaines semaines? Je ne sais pas. On regardera bien sûr les graphiques en parallèle, hein, donc sur les cryptos que je viens d'évoquer. Ceci étant dit, je vous passe la très courte introduction. Je vous retrouve directement pour le début de cette émission. À tout de suite. Avant de débuter, sache que je te partage un outil d'investissement qui récupère automatiquement le prix des cryptos. Ça veut dire que tu sais en temps réel combien tu as d'argent, combien tu es en train de gagner ou de perdre, et plein d'autres choses en fait, hein. C'est très très complet. Si ça t'intéresse, tu veux en savoir plus, je t'invite à aller dans la description. Là, tu trouveras un lien où j'explique beaucoup mieux cet outil en détail, hein, page par page, sur une vidéo spécifique. Et tu trouveras également le lien du site de CryptoOrganize si tu souhaites l'acquérir. On débute avec la première actualité, donc Grayscale, qui est donc la société un peu la plus connue, hein, dans l'investissement de crypto-actifs pour les professionnels, qui explique que XRP pourrait devenir une alternative au virement Swift transfrontalier. On parle ici en fait de tous les virements que vous pouvez effectuer dans votre vie de tous les jours, hein, de banque à banque. Alors, c'est pas vraiment une découverte, on sait très bien que XRP a pour but finalement de pouvoir fournir ce genre de service. Ceci dit, le fait que Grayscale en parle justement dans un rapport est plutôt intéressant parce que ça va permettre justement à des personnes qui ont énormément d'argent, qui souhaitent investir, pourquoi pas, de vraiment avoir un suivi et de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Parce que Grayscale, je pense qu'aujourd'hui, ils ont une approche clientèle très intéressante. Ils ont créé il y a un mois quelque chose qui s'appelle Crypto Sectors. Et en fait, effectivement, ils ont divisé les crypto-monnaies par secteur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, peut-être, si vous suivez mes vidéos ou si vous regardez et vous intéressez aux cryptos quasiment tous les jours, vous allez lire des informations dessus, vous connaissez déjà tout ça. Mais pour quelqu'un qui souhaite investir, qui voilà, ne s'est pas forcément bien renseigné, eh bien, ça va lui permettre de comprendre beaucoup mieux comment tout ça fonctionne. Et Grayscale, ben justement, ils développent ça petit à petit et ils ont donc divisé par secteur chaque crypto. Par exemple, vous avez le secteur des monnaies. Donc monnaie, c'est-à-dire l'échange de valeur. Si je fais apprendre davantage, vous avez ici les cryptos qui sont dans cette catégorie. Vous avez le Bitcoin, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash et d'autres ensuite à des pourcentages plus faibles que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, vous avez par exemple les cryptos qui concernent les smart contracts. Donc évidemment, vous retrouvez Ethereum, Cardano, Solana, Tron et voilà Polkadot. Et je pense qu'il y en a d'autres également. Ils montrent pas forcément tout ici. Ensuite, vous avez les cryptos qui concernent le monde, le secteur financier. C'est très intéressant même pour moi d'ailleurs, hein, de regarder tout ça, voir ce qu'ils ont mis dedans. Ah oui, donc là c'est la DeFi en fait, hein, Uniswap, AAVE, donc c'est des plateformes d'échange, de lending, etc. comme Pound. C'est très intéressant aussi de voir ça. Donc le secteur de la culture, voilà, je sais même pas ce qu'ils ont pu mettre là-dedans, je vais aller voir, mais je trouve que c'est assez bien foutu en fait finalement. Et je pense que voilà, le petit texte, les petites fiches comme ça qu'ils font avec les différentes cryptos. Donc là vous avez Apcoin, Sandbox, Immuable. Alors bah là on est clairement dans le GameFi, hein, on le voit directement. Ici vous avez les donc d'autres cryptos qui concernent les services d'utilité. Alors bon, je traduis très mal, hein, mais on va voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Chainlink, Lido, Filecoin, Helium. J'ai plus de mal à voir. Ouais, là, on est sur du storage décentralisé. Lido, on est sur du liquid staking. Chainlink, on est sur des oracles. Vous voyez, là, j'ai du mal à saisir un peu pourquoi est-ce qu'ils les mettent ensemble. Mais voilà, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont vraiment produit quelque chose qui va permettre aux investisseurs qui ne connaissent pas grand-chose, parce qu'il faut savoir que personnellement, je suis vraiment à fond dedans, hein. Je vais sur CoinGecko, vous avez les catégories et tout ça, tout est bien expliqué également dessus. Mais il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui aimeraient investir une partie de leur argent dans ce secteur-là, qui ne comprennent pas forcément ce que c'est. Et le fait d'avoir ces petites fiches et voilà, de pouvoir le comprendre rapidement, c'est plutôt cool. Parce qu'il y a des personnes qui ont évidemment des jobs à responsabilité, qui ont plein de choses à faire à côté, et ils ne vont pas passer leur vie à essayer de décortiquer cette technologie qui est donc la blockchain. Et ce qu'ils vont faire plutôt, c'est aller demander du coup à la société d'investissement Grayscale, aller voir un petit peu comment ça se passe, essayer d'avoir des explications rapides sur le sujet et demander des conseils surtout, hein, Grayscale. Je pense qu'ils ont aussi finalement une mission de conseil, hein, auprès de leurs clients.
Et donc, pour en revenir rapidement à l'actualité XRP initiale, eh ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans leur fonds, dans leur secteur, moi, quand je vous ai parlé de cette actualité dans l'introduction, je n'avais pas compris que ça allait être si compliqué à expliquer, mais en poussant un peu les choses, je me suis rendu compte que c'était pas si, c'était pas une actualité si simple à vous décrire. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les différents secteurs, vous avez donc le secteur currency. Et on peut supposer que c'est le secteur qui attire le plus d'investisseurs. Pourquoi? Bah, parce que d'une part, c'est le premier hein, dans la liste. Et d'autre part, ici, on parle de monnaie digitale, on parle d'échange de valeur, on parle de choses assez simples à comprendre. Alors que tout ce qui est smart contract, aller expliquer Chainlink à quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est beaucoup plus complexe finalement à saisir le fonctionnement et pourquoi est-ce que c'est révolutionnaire. Donc du coup, c'est le plus simple, c'est le plus facile. Et finalement, eh bien, quand on regarde dans ce secteur-là, currency que Grayscale a créé, les cryptos qui sont intégrés dans ce fonds d'investissement, eh bien vous avez le Bitcoin à hauteur de 93% et XRP en dessous à hauteur de 4%. Donc vous voyez que XRP c'est la numéro 2 dans ce fonds d'investissement. Ça reste un pourcentage très très faible, évidemment. Le Bitcoin surdomine. La plupart des gens veulent du Bitcoin, hein, notamment des gros investisseurs qui connaissent pas grand-chose veulent acheter du Bitcoin plutôt qu'autre chose. Mais XRP, maintenant vous le savez, hein, a des frais de transaction très très faibles. Lorsque vous allez envoyer des XRP à quelqu'un, donc d'un wallet à un autre, vous allez payer moins d'un centime de frais. Alors que pour le Bitcoin, ça peut monter à 10, 15, 20, des fois même plus de 100 $ pour une transaction. Donc on sait que XRP, en termes de moyens de paiement, peut être quelque chose d'extraordinaire. Même si c'est une blockchain semi-privée, que c'est moins décentralisé que le Bitcoin, etc., etc., c'est effectivement extraordinaire en termes de vitesse, de rapidité, de scalabilité, de coût de frais de transaction, etc. Donc ça peut attirer énormément d'investisseurs. Ceux qui commencent à se renseigner un peu sur le sujet et qui se rendent compte de ça, peut-être, vont privilégier un investissement également sur XRP. Donc ça ne m'étonnerait pas que Grayscale, d'ailleurs, qui avait supprimé XRP de leur offre, pendant l'histoire avec la SEC et le procès, ça m'étonnerait pas que maintenant qu'ils l'ont réintégré hein, depuis récemment, bah, achètent de plus en plus de XRP pour en proposer de plus en plus à leurs clients. Je termine rapidement avec le graphique de XRP au passage, je l'ai passé hier, mais simplement pour vous montrer qu'on a un très joli triangle rectangle ici, avec un W qui s'est formé. Alors là, on était au mois d'avril, là on a cassé, on est rentré dans ce triangle rectangle au mois de mai 2022, avril 2023 on était là. On a cassé ce niveau-là en juillet, donc récemment. On reteste, vous voyez la neckline, et là on est un peu plus haut, mais concrètement, quand on voit ce graphique, on se dit que le meilleur niveau pour investir dans XRP aujourd'hui, si jamais je devais investir aujourd'hui sur XRP, j'attendrais ce niveau-là, à savoir les 54 centimes environ. Ça serait vraiment la première zone à privilégier si on devait effectivement y retourner. Je continue avec la deuxième actualité du jour. Il s'agit donc du coup de Lacoste qui annonce un partenariat stratégique avec le célèbre métavers Sandbox pour célébrer le 90e anniversaire de Lacoste, je suppose, puisque Sandbox n'existe pas depuis 90 ans. Ça se traduit par des prix en token Sand à travers le métavers, justement avec une sorte de petit jeu multijoueur. Effectivement, j'ai jamais vraiment utilisé Sandbox, donc je ne peux pas trop expliquer comment ça se passe. Mais grosso modo, c'est un partenariat stratégique et c'est clair que finalement, la technologie de la blockchain peut être utilisée par des entreprises traditionnelles pour réimaginer leur futur business model, hein, tout simplement parce que le Web3, a priori, devrait être intégré et utilisé par beaucoup d'entreprises dans les années, dans la décennie qui viennent. Et donc, certaines entreprises, en tout cas, spéculent là-dessus et vont commencer à faire du marketing à travers ces technologies. En l'occurrence, ici, Sandbox. Si on s'amuse un petit peu à regarder la valeur du token Sand, du coup, on observe d'une part que la chute a été très très violente en 2022, que la chute a ralenti. On réintègre des niveaux de prix acceptables, on peut le dire, entre les 20 grosso modo et les 86 centimes, puisque là, c'était clairement une euphorie injustifiée, ou plutôt une sorte de bulle qu'on avait vu se créer, évidemment, pendant cet espace de prix, lorsque Sand a cassé les 1 $ pour aller chercher rapidement les 8 $, et quelques semaines après, finalement, revenir sur des points bien inférieurs. Donc oui, on réintègre des prix tout à fait acceptables aujourd'hui pour imaginer un investissement maintenant sur Sand. Et concrètement, les différents niveaux qu'on peut se mettre, c'est à la fois celui-ci, qui représente vraiment le point bas ici, en l'occurrence en juin 2021. On a également le point haut qui se trouve par ici, voilà. Et là, on a un joli range dans lequel, concrètement, ça peut être intéressant d'acheter du sand. Là, on est sur les 40 centimes. On voit qu'on a fait un plus bas en septembre 2023, finalement plus bas que le précédent. Malgré tout, on observe que la chute a ralenti.
On attend de voir ce qui va se passer. C'est presque trop tôt pour acheter du sand parce qu'on n'a pas encore de structure, on n'a pas de W confirmé, on n'a rien encore de très propre. Malgré tout, on peut supposer que concrètement, hein, si on devait établir une stratégie d'investissement sur ce token, alors on va zoomer par exemple en daily ici pour voir à quel moment est-ce que j'imaginerais moi personnellement un achat si je devais le faire sur Sand. Je prends un Fibo comme ça. Concrètement, c'est là, entre les 34 et les 31 centimes, c'est là où je saisirais un achat. Il faut savoir que c'est un achat risqué. Pourquoi c'est un achat risqué? Parce que vous avez une crypto qui fait des plus bas, toujours plus bas, qui ne montre aucun signe de reprise sur le long terme. En weekly, il n'y a aucun signe de reprise. Et que effectivement, si vous achetez ici la ZR, rien ne dit qu'on ne va pas encore de nouveau faire un plus bas. Là, vous allez spéculer sur le fait que à l'avenir, ce W se concrétise. Mais concrètement, voilà, en gros, entre les 34 et les 31, très bon niveau d'achat selon moi pour le token Sand. Je continue avec l'actualité suivante, FTX token. Donc grosso modo FTT, hein, je sais pas pourquoi ils ont pas marqué FTT, c'était pour que FTX apparaisse dans le prix, dans le titre, pardon, sûrement, qui performe à hauteur de 255% en 3 semaines. Alors, la plateforme d'intelligence sur la blockchain, c'est comme ça qu'elle est nommée ici, Sentiment, qui est donc effectivement une plateforme très très intéressante pour avoir beaucoup de données fondamentales sur les blockchains et les cryptos, etc. Beaucoup d'informations intéressantes. Donc, ils ont informé sur la plateforme X, donc Twitter, hein, qu'effectivement, le token FTX, le token de FTX, FTT, a énormément performé, qui profite probablement d'un rallye dû aux différentes news que l'on a sur Binance actuellement. Donc, c'est un petit peu du FOMO, hein, dans le sens où vous avez d'une part CZ qui peut-être va se retrouver en prison, vous avez SBF, l'ancien patron du coup de FTX, qui lui est en prison également. Donc beaucoup de peur en ce moment, hein, sur les plateformes centralisées, parce que évidemment si Binance s'effondre finalement de la même façon que FTX, vous imaginez bien que la conséquence sera bien plus grave et bien plus importante. Mais je vous rassure, c'est a priori pas d'actualité effectivement. Donc on est sur deux contextes tout à fait différents, mais on sait un peu les relations qu'il y avait à l'époque entre CZ et FBS, SBF. Effectivement, c'est CZ un petit peu qui a créé cette panique autour de FTX à travers ses différents tweets, et derrière on a eu l'effondrement. Donc en fait, tout ça, c'est de la télé-réalité, en fait, en réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, FTT, c'est pas le token sur lequel j'ai envie de miser personnellement. Malgré tout, pour toujours en termes de diversification de portefeuille, de logique de spéculation, etc., on peut toujours tenter le coup. D'ailleurs, quelques heures avant l'effondrement de FTT, j'avais acheté du FTT sur le portefeuille fictif. Ça a d'ailleurs bien dû le pénaliser. Et puis ensuite, je l'avais revendu. Voilà, bon, bref, j'aurais dû le garder finalement. Regardez, aujourd'hui, il prend 300%. Mais vous voyez, maintenant, c'est pas forcément le genre de token qui m'intéresse. Les tokens de plateforme centralisée peuvent être intéressants, mais dans le cas où vous avez un effondrement comme ça et où le token divise par 20 sa valeur, et qu'aujourd'hui vous avez de l'argent en attente sur ces plateformes, etc., je pense pas que ce soit le. Alors oui, vous avez pourquoi pas des coups à jouer, mais là vous êtes vraiment sur de la spéculation, sur de l'argent rapide que vous pourriez vous faire. Vous n'êtes pas sur un raisonnement d'investissement long terme, etc., etc. On va regarder un peu le graphique. Donc là, effectivement, on a eu la chute. Donc c'était en octobre 2022, le token était vers les 24$. On est venu chercher les 1,50$. Alors on va zoomer un petit peu ici. Voilà, on a rangé ici vraiment entre les 1, les 80 centimes et les 2,60$. Et récemment, c'était donc le 6 novembre, vous voyez, bah, le FTT est venu chercher les 5,59$. Et vous voyez que là, en fait, en termes de graphique weekly, c'est très positif. On a encore des bougies vertes qui se dessinent. On est sur une espèce d'euphorie, même au niveau du RSI, on arrive en surachat. Aucun signe de retracement. Donc là, évidemment, c'est pas du tout le moment d'acheter du FTT, hein, puisqu'on est sur trois bougies vertes consécutives. Mais concrètement, on a un joli graphique qui est dessiné, hein, de façon structurelle. C'est plutôt joli. D'autant plus que là, regardez, on avait touché un bottom, un double bottom ici à la fois en décembre 2022 et en juin 2023. Donc de façon très graphique, moi je dis pas qu'il faut acheter du FTT, c'est pas vraiment la crypto qui va m'intéresser, mais grosso modo, de façon très graphique, la zone à privilégier, ça serait celle-ci, les 2,30$, si jamais on devait y retourner sur une sorte de mèche, sur une bougie, tout simplement parce que ça représente finalement le point de support pertinent sur ce graphique. Dernière actualité du jour, VeChain augmente de 160 000 ses nouvelles adresses en juste 20 jours. Alors, il y a ici en gras les deux choses importantes à retenir de cet article. Ces 160 000 nouvelles adresses sont probablement dues aux différents partenariats qu'ils ont pu établir ces derniers temps. Et il y a eu un partenariat, hein, c'est la deuxième info ici, qui a été faite
avec du coup Coinbase et donc leur programme. Donc sur Coinbase, il y a un programme d'apprentissage hein, pour justement, un peu comme on en a parlé tout à l'heure sur Grayscale, justement, et les différentes fiches qu'il y a pour les gros investisseurs. Coinbase, c'est la même chose, mais pour les particuliers. Donc c'est ça qui est intéressant de comprendre. Et vous voyez que là, bah, il y avait un programme d'apprentissage qui parlait de VeChain et qui a donc pu expliquer donc à plus de ces 100 millions d'utilisateurs, hein, Coinbase, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs, bah, justement ce qu'est VeChain et comment est-ce que ça peut révolutionner un petit peu le monde de la traçabilité, pour ceux qui connaissent un petit peu. On va regarder un peu si ça a eu un impact sur le prix. Et si ça n'en a pas eu d'impact, et bien quels sont les niveaux intéressants d'achat? Parce que si ça a eu un impact et que le prix a explosé, c'est pas forcément le meilleur moment pour acheter. Alors on observe quelque chose d'intéressant, c'est qu'on était sur les 1,4 centimes, on est venu chercher les 2,2, soit une hausse ici approximative de 51%. On observe également sur le weekly ici qu'on avait un plus bas qui s'est dessiné en l'occurrence en juin 2023, qu'on est venu dessiner pas un double bottom, mais un point un peu plus haut finalement. Donc on a une sorte de W qui s'est formé ici. C'était en septembre 2023 et que depuis, ça performe et on vient confirmer le W. Alors c'est un W assez court terme, assez récent et assez intéressant à constater ici, hein, que vous avez concrètement de dessiner. Donc quand on regarde ça, on se dit que le niveau pertinent, si on prend la clôture, c'est celui-là, aux alentours des 2 centimes. Aujourd'hui, on est sur les 2,1. En fait, concrètement, le niveau actuel de VeChain est assez honorable hein, pour imaginer un premier investissement. Vous le savez, ceux qui me suivent, moi j'aime bien raisonner en investissement par palier. Donc c'est pour ça que je parle de premier investissement. Effectivement, quelqu'un qui a un portefeuille crypto, qui veut acheter différentes cryptos pour décomposer son portefeuille et donc diversifier ses différents investissements, pourrait choisir d'intégrer VeChain dans son portefeuille. En tout cas, le prix actuel me permet toujours de penser ça, contrairement à d'autres cryptos. Hein, je ne sais pas, moi, si vous regardez les cryptos qui, donc en l'occurrence ici, je vais sur cette liste. Voilà, vous avez beaucoup de cryptos qui font beaucoup parler d'elles en ce moment, Caspa, TAO, vous avez Blur, etc. Même si vous regardez le top crypto, je ne sais pas, en l'occurrence Solana qui a beaucoup performé ces derniers temps. Je pense que ce ne sont pas des crypto-monnaies à privilégier, pas pour l'instant. Ils auront leur moment, hein, mais ce n'est pas le moment. Je vous passe par exemple Solana en parallèle pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Voilà, Solana, c'est pas le moment pour moi d'investir. Vous avez eu énormément de bougies vertes consécutives. Il faut attendre un réel retracement si on veut, je pense, commencer à imaginer des paliers. En revanche, VeChain, lui, est toujours honorable en termes de prix. La chute a été très violente et on reste toujours inscrit dans ce range, même dans ce canal baissier qu'on peut observer sur le long terme ici au niveau de VeChain. Donc, certes, on est un peu haut, on est légèrement sur le haut du canal. Malgré tout, le prix reste tout à fait acceptable. Maintenant, ça peut être intéressant de le regarder par rapport au Bitcoin, voir ce que ça donne. Parce que par rapport au dollar, effectivement, il monte, normal, hein, toutes les cryptos montent en ce moment. Vous voyez que par rapport au Bitcoin, on est sur un bottom historique quasiment. Hein. Donc là, on peut se tracer une ligne comme ça. Donc ça prouve à quel point finalement VeChain est intéressant. Parce qu'en plus d'avoir un graphique par rapport au dollar assez bas et assez intéressant, eh ben, on a aussi un graphique par rapport au Bitcoin avec un triple bottom qui se dessine, etc. Oui, on peut casser par le bas cette zone, mais en attendant, c'est quand même une zone de support. Alors que si je reprends l'exemple de Solana pour vous faire le parallèle, hein, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des graphiques, je vous montre ça. Voilà, Solana, même par rapport au Bitcoin, on a des énormes bougies vertes qui se sont dessinées. C'est pas le moment d'acheter du Solana. C'est plutôt le moment de vendre, en fait, hein, du Solana, tout simplement. En tout cas, de commencer à mettre des paliers de revente. Ça ne veut pas dire revendre tous ces Solana maintenant, puisqu'on est en phase de pré-bull run, entre guillemets, mais vendre une partie de ces Solana maintenant pour se sécuriser, ça pourrait être pertinent pour ceux qui ont pu profiter de ce petit marché aussi. J'arrive sur la fin de cette émission, hein. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, pensez à vous abonner, à liker. Je vous retrouve, j'espère, demain pour une émission d'analyse graphique. Aujourd'hui, je voulais en faire deux. Je voulais faire l'émission actualité ce matin, l'émission analyse graphique cet après-midi. J'ai pas le temps d'enregistrer la deuxième, hein, parce que j'ai pris beaucoup de temps pour enregistrer celle-ci. Malgré tout, j'espère, ce week-end, notamment demain, pouvoir faire la seconde émission. Excellente journée, je vous souhaite un bon week-end sinon, et puis à très bientôt. Ciao tout le monde!